Farcir une volaille sous la peau. Donc, cette opération a pour but de rendre la peau davantage croustillante et de nourrir en quelque sorte la volaille en cours de cuisson. Le beurre va fondre tranquillement et viendra aromatiser les blancs de volaille et les cuisses de volaille pour les rendre davantage moelleux et croustillants. Je viens décoller la peau du cou de la volaille délicatement en prenant soin de ne pas la percer. Comme ceci, je vais venir décaler, décoller, voilà, entre la peau, comme ceci, délicatement, de chaque côté. Dès que la peau est décollée entre le blanc, du blanc, pardon, dès que la peau est décollée du blanc, je vais pouvoir passer ma main, comme ça, en descendant jusqu'aux cuisses, comme ceci. Attention bien sûr à ne pas percer la peau. Donc la peau est bien décollée. Ne pas décoller la peau de l'os du bréchet. Donc vous risquez de la casser. Donc, la peau est maintenant décollée. À l'aide d'une poche, je vais pouvoir incorporer un beurre parfumé, par exemple au curcuma, à l'estragon et au persil plat. Garnir la poche, donc retourner la poche. Au maximum, on passe la main sous la poche, on prend soin d'ouvrir largement la poche et on va mettre le beurre à l'intérieur. Retourner la poche. Garnir de beurre au curcuma la volaille. Ouvrir la volaille. Aller jusqu'aux cuisses. Et ajouter le beurre. Procéder de la même façon sur les blancs. Replier la peau du cou. Coincez-la sous la volaille et étalez le beurre délicatement. Bridez ensuite la volaille.